Bienvenue dans ce tutoriel pour bien démarrer avec Midjourney. Vous aurez à la fin de cette vidéo, en plus des bases pour vous amuser avec cette magnifique IA artistique, quelques astuces qui vous permettront de l'utiliser plus simplement et plus efficacement que beaucoup de ceux qui la connaissent déjà. En une commande et un prompt, vous allez laisser libre cours à tout votre potentiel créatif. Le prompt, ce sont les instructions et paramètres que vous passez à l'IA pour créer l'image que vous avez en tête. Et vous serez bientôt totalement à l'aise avec celui de Midjourney. Allez, c'est parti! Pour utiliser Midjourney, vous aurez besoin de Discord. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le télécharger sur discord.com. C'est un logiciel de communication, il est gratuit. Il est né dans le monde des gamers, mais maintenant il est utilisé pour tout type de communauté. Pour rejoindre le serveur Discord de Midjourney, le plus simple, c'est de partir du site de Midjourney et de cliquer sur « Rejoindre la bêta ». Et là, vous allez voir qu'on n'est pas tout seul. Il y a plus de 10 millions de personnes sur ce serveur. Et normalement, vous devriez communiquer avec le bot de Midjourney dans une des salles débutants, les salles newbie. Il y a une grosse activité dans ces salles. Alors c'est une bonne source d'inspiration, mais vous allez constater qu'il est dur de suivre ce qui s'y passe tellement il y a de monde. Alors même si vous n'êtes pas abonné à Midjourney, il y a une astuce qui permet d'être plus tranquille. Il s'agit d'inviter directement le bot Midjourney sur votre propre serveur. Il suffit de cliquer dessus et de lui demander de rejoindre le serveur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez en créer un, c'est gratuit. Mais pour faire encore plus simple, vous pouvez tout simplement rejoindre le serveur Paradisiaque. J'ai mis à votre disposition un channel Midjourney pour qu'on puisse créer nos images dans la communauté de mes abonnés YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à faire le clic, j'essaye à chaque vidéo d'en être digne. Alors, pour créer une image, on utilise la commande slash imagine suivi du prompt, dans lequel on va décrire ce qu'on veut, dans quel style et avec quels paramètres. On peut lui parler en français, mais la traduction n'est pas son fort. Voici les images pour ce prompt, un oiseau en train de voler, en anglais et en français. Personnellement, depuis cette expérience, je lui fais plus que des prompts en anglais. La commande se tape donc dans Discord. Après quelques lettres, vous pouvez faire tabulation pour arriver directement dans le prompt ou cliquer sur la commande du bot. Et là, on lui demande par exemple ici un Stormtrooper sur le dance floor en photoréalisme avec des couleurs vives. Après un délai, Midjourney commence à travailler, on voit le pourcentage de complétion qui augmente et il nous propose 4 images qui correspondent à ce qu'il a compris de notre demande. Elles sont numérotées de 1 à 4 dans le sens de la lecture. On peut cliquer dessus pour les voir en plus grand, les ouvrir dans le navigateur. Alors, les lettres que vous avez en dessous de U1 à U4 sont là pour faire un upscale de l'image concernée. C'est une version plus détaillée en haute définition. Les choix de V1 à V4 sont faits pour demander des variations. Une variation, c'est 4 nouvelles propositions dans l'esprit de l'image concernée. Si aucune convient, on peut relancer une demande avec l'icône de flèche en arrondi qu'il y a sur le côté. Alors là, il nous a fini l'upscale et on va avoir de nouvelles options. On peut faire une variation de cet upscale. On peut demander un light upscale, c'est un upscale sans qu'il rajoute de détails. Un beta upscale, c'est un upscale dans une plus grosse définition, ça sera du 2048 au lieu de 2024. Et on peut aller voir notre compte sur le site de Midjourney dans lequel il y aura tous les travaux qu'on a faits, quel que soit le serveur sur lequel on les a lancés. Alors mon conseil quand vous travaillez avec Midjourney, c'est de bien séparer dans votre tête le fond, la forme et les paramètres, ce que vous allez créer, dans quel style et avec quelles options. Et de ne pas passer trop de temps au début sur les paramètres justement, parce que votre créativité va être dans le fond et dans la forme. Pour illustrer l'importance de la forme, on va prendre juste un fond. On fait l'imagine prompt, un jeune couple qui s'embrasse dans un parc à New York. Et ça nous donne ça. Si on y rajoute un élément de forme, par exemple on dirait dans le style d'Andy Warhol, alors qu'on n'a pas du tout changé le fond, l'image n'a plus rien à voir. Et si dans la même idée on avait dit comme l'animé Akira, l'image, toujours avec le même fond, a encore changé. Et si on veut se lâcher et qu'on demande une sculpture de Yoshimasa Tsuchiya en noir obsidienne, en or 24 carats, le tout poli et chromé, le résultat c'est ça. Donc on garde le fond, on change la forme. Alors changer la forme, ça peut être des choses extrêmement simples. Par exemple là, je demande une petite créature pelucheuse, je rajoute un emoji arc-en-ciel, et tout d'un coup, on a une mignonnerie absolue. Alors il y a une quantité infinie d'astuces ou de bonnes idées créatives, et un bon moyen de trouver celles qui vous correspondent, c'est de parcourir les créations des autres artistes dans Discord, ou depuis votre compte Midjourney, en cliquant sur le Community Feed. Quand vous voyez une image qui vous plaît, vous pouvez cliquer dessus, et voir la description qui a été utilisée. On peut copier le style, le fond. Vous avez même accès, en cliquant sur le petit i, aux options qui ont été utilisées, donc les paramètres. Un moyen simple de relancer l'image sélectionnée, c'est de cliquer sur les 3 petits points, de choisir copie full commande, et on n'a plus qu'à retourner sur Discord, taper le slash imagine prompt et coller le tout.
Alors, au début, on peut être un peu intimidé par les paramètres, hein. C'est ce que vous voyez derrière les moins moins. Par exemple, ici, le moins moins Q2, c'est-à-dire qu'on met la qualité à 2. Il y a une petite astuce pour se simplifier la vie sur les options, c'est que vous tapez slash settings et vous aurez les options par défaut qui seront tout le temps appliquées à votre prochain prompt. Ce qui vous évitera d'avoir à les retaper à chaque fois. Alors l'option peut-être la plus importante, c'est la version, c'est ce que vous voyez passer quand vous voyez des moins moins V. En ce moment, on est en version 4, c'est la version la plus aboutie. Vous pourriez peut-être utiliser la version Niji, c'est une version qui fait des dessins façon un peu manga animé. Ensuite, vous avez la qualité, c'est ce que vous voyez quand vous voyez des moins moins Q. On a trois niveaux de qualité, c'est le temps que va passer Midjourney à travailler sur votre image. Donc, plus il passe de temps, plus elle sera de qualité. Alors l'option de style, c'est peut-être celle qui est la moins bien comprise. Alors déjà parce qu'elle s'appelle style et qu'il y a une option, moins moins style, qui n'est pas cette option. Cette option, c'est la moins moins S qui est stylize, qui correspond à la créativité que Midjourney va mettre par rapport à votre prompt. C'est-à-dire que si vous prenez un style qui est plutôt faible, Midjourney va coller à votre prompt, alors que si vous prenez un style élevé, il va se permettre des libertés créatives autour de ce que vous lui avez demandé. Donc en fonction du besoin, ça peut être intéressant de lui donner plus ou moins de liberté sur le style. Par exemple, si on lui demande le Big Bang dans une bouteille en verre, d'abord avec un style à 0, puis avec un style à 750, on s'aperçoit en comparant les deux images que dans la deuxième, il s'est permis des pistes créatives un peu plus poussées. Sur ce qui reste, l'upscale, on a déjà vu les trois types d'upscale. Là, vous pourrez choisir celui que vous voulez prendre par défaut. Après, en fonction de votre abonnement, vous pourrez choisir de faire des créations publiques ou privées, rapides ou lentes. Et le remix mode, c'est la possibilité de changer son prompt entre deux variations, ce qui vous permet d'affiner petit à petit l'image sur laquelle vous êtes en train de travailler. Alors, le paramètre que vous taperez souvent, c'est celui du ratio de l'image. Il se passe en tapant moins moins AR, ou moins moins aspect, suivi du ratio. Le ratio par défaut, c'est le 1-1, c'est donc une image carrée. C'est un paramètre qui est important. Vous avez sûrement le souvenir d'une photo que vous avez déjà prise en mode paysage, puis après coup, vous vous êtes dit, tiens, elle aurait été tellement mieux en mode portrait. Par exemple, si je demande une chute d'eau en montagne avec un ratio de 3,5, j'aurais beaucoup moins l'impression de hauteur que si j'avais demandé avec un ratio de 2 tiers. Voilà, vous connaissez maintenant les principaux paramètres avec lesquels vous pouvez jouer. Avant de voir avec vous 4 astuces vraiment très sympas, je voulais vous montrer comment bien utiliser l'option d'ajout d'image du prompt de Midjourney, car je l'ai souvent vu être mal interprété. En fait, ça permet d'influencer l'IA dans la composition, le style ou les couleurs de sa création. Il s'agit donc de lui donner des pistes créatives et non pas de lui faire modifier ou corriger les images qu'on aura jointes. Par exemple, si je veux faire une figurine de jeu de rôle avec le Père Noël, je peux essayer de lui décrire exactement ce que je veux, ou plus simplement, joindre une image d'une figurine et lui demander d'en faire une avec le Père Noël. Alors pour joindre une image, vous pouvez la mettre dans Discord et récupérer son adresse en faisant un clic droit et copier le lien. Ensuite, on fait notre Imagine Prompt, on colle le lien qu'on vient de copier, et puis on peut rajouter ici le Père Noël en figurine Donjons et Dragons. Je rajoute mon ratio de 2 tiers et Midjourney me crée notre image en étant influencé par la composition, le style et la couleur de l'image qu'on avait jointe. Alors le texte était optionnel, hein, on aurait pu très bien joindre une image de figurine et une image de Père Noël et de lancer le prompt comme ça. Petit conseil, essayez toujours de mettre des images qui ne sont pas trop éloignées en termes de ratio, du ratio de l'image que vous essayez de créer. Alors on va finir avec quelques astuces très utiles, et la dernière ouvre la voie à une utilisation avancée de Midjourney, un peu comme une avant-première du tuto expert, que je pourrais faire hein, si celui d'aujourd'hui vous plaît, ce que vous pouvez d'ailleurs me montrer en commentaire, ou avec le petit pouce, ou en vous abonnant, si c'est pas déjà fait. Alors la première astuce va vous servir, entre autres, quand vous êtes en mode gratuit, et donc limité à 25 créations, parce que quand vous faites une demande, vous avez une image composée de 4 parties, mais c'est une seule image. Pour avoir des résultats en particulier, vous devez faire un upscale. Mais ça va vous consommer une création. Le bot de Midjourney peut vous envoyer les 4 images telles qu'elles sont en message privé. Pour ça, il suffit de réagir au message concerné avec le petit emoji enveloppe. Et vous allez recevoir non pas une, mais bien 4 images différentes sans consommer de crédit. Alors en contrepartie, elles ne sont pas upscalées, mais la plupart du temps, ça suffit. Cette astuce est aussi utile si vous êtes abonné à Midjourney, hein, car elle vous permet de récupérer 2 informations importantes, le job ID et le seed. Alors pour simplifier, le seed c'est un nombre aléatoire, il est entre 0 et un peu plus de 4 milliards et sert à créer le job. Depuis la version 4, un même prompt et une même seed donnera toujours le même résultat. Le job ID, ça permet de rappeler un ancien job. Vous pouvez utiliser la commande slash show
qui est assez utile pour relancer des variations ou des upscales d'un vieux job que vous ne trouvez plus sur les channels. A l'inverse, quand vous voulez supprimer un job, vous pouvez toujours supprimer le message dans le channel, hein, mais ça ne va pas le supprimer 2000 journées. Or, sauf si vous êtes dans l'abonnement maximum, tout ce que vous créez est public, et donc présent dans le community feed de 1000 journées. Pour ça, il y a une astuce qui est de réagir avec l'émoticône croix rouge, et là, ça va non seulement supprimer le message, mais aussi l'image du site de 1000 journées. Par contre, ça ne supprime pas l'image du serveur de 1000 journées. Si vous faites un slash show avec l'ID du job, vous le récupérez. Donc si vous gardez vos ID, bah, vous avez trouvé un moyen d'avoir un mode privé gratuit. Alors je vous ai gardé une astuce de poids pour la fin qui est le multi-prompt. Vous verrez souvent des mots dans les prompts séparés par des virgules. Cela ne sert à rien en fait. Pour mid-journée, votre phrase est un seul concept jusqu'aux options avec les moins-moins. Pour séparer les concepts, il faut utiliser deux points, deux points. Dans la documentation de mid-journée par exemple, il présente cette fonction en montrant la différence entre un hot dog, le sandwich, et un hot deux points, deux points dog, qui est un chien qui a chaud. Alors si vous souhaitez un tuto mid-journée expert, on pourra voir entre autres comment utiliser au mieux la pondération de ces séparateurs. Comme par exemple le hot 2.2.2dog, qui donne deux fois plus de poids au concept de chaleur qu'à celui de chien. Alors je vous ai dit en début de vidéo de bien séparer dans vos prompts le fond, donc la composition, de la forme, le style. Et bien maintenant vous savez comment le faire. Alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Et vous retrouverez le lien du serveur Paradisiaque pour me rejoindre dans le channel Midjourney, ainsi que les liens d'affiliation pour me donner un coup de pouce dans la description de cette vidéo. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout, à bientôt.